Alors bonjour la famille, aujourd'hui on revient avec une autre vidéo, toujours dans le sens de la production musicale. Alors, le titre que nous allons visiter aujourd'hui, revisiter, que nous avons composé sur le logiciel GarageBand, comme vous pouvez le voir ici, c'est « Aide-moi Seigneur » de l'artiste Sylvain Akwala. Donc je vais ici faire comme d'habitude, vous faire écouter la mélodie telle que je l'ai composée, telle que moi je l'aperçois, telle que je la vois. Voilà, dans mon style, toujours le style que j'aime beaucoup, le style que je préfère, le style garage. Voilà, c'est pas par hasard puisque nous sommes sur garage. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, je vais muter tous les instruments, essayer de créer une petite boucle et faire visiter à chacun de nous. Voilà, donc chaque instrument, comment ça sonne, comment les instruments s'harmonisent. Et voilà, il y a différentes parties, il y a l'intro, il y a les couplets, il y a les ponts. J'ai vraiment tout fait de telle sorte que voilà, donc je vais prendre deux couplets, un pont et l'intro. Voilà, ensuite je vais vous faire écouter. Voilà, donc sans plus tarder, on y va directement sur GarageBand pour voir comment est-ce que ça sonne. Voilà, donc attends un peu, ça essaie de... Il y a la caméra qui bouge un peu, voilà. Donc je vais faire jouer, je commence par la guitare. Aide-moi, Seigneur, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. On prend le niveau de l'intro. Attention, la caméra bouge un peu. Aide-moi, Seigneur, à marcher plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher plus près de toi, plus près de toi, maman. Voilà, donnez-moi vos impressions dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la production est assez bonne? Est-ce qu'elle est assez moyenne? Est-ce que, voilà, est-ce que les instruments sonnent bien? Voilà, pour moi, c'est vu que c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre, apprendre la production, parce que voilà, c'est un de mes projets, devenir un producteur, devenir voilà, avoir un label de production musique gospel, voilà. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ça. Du coup, je me suis dit, je vais revisiter tous les titres que j'aime bien, tous les artistes que j'aime et que j'apprécie personnellement. Donc voilà, c'est ce travail que je suis en train de faire et je vous propose simplement de liker, de s'abonner et de partager. Très intéressant parce que pour moi, c'est quelque chose qui me parle à moi et je pense que ça peut parler aussi à quelqu'un d'autre. Donc du coup, voilà, on se met à partager, on se met à liker et voilà, à plus.